Hello tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée au pilates, au yoga, à la méditation, mais pas que. De temps en temps, je vous donne quelques petits conseils, des exercices pour renforcer votre corps. On fait du renforcement musculaire et parfois même du cardio parce qu'il en faut pour tous les goûts et je pense à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est le sujet, on fait du renfo, on fait un spécial cuisse. Donc les cuisses vont chauffer. Ça va faire du bien, les fêtes approchent, on va un petit peu plus se stocker en cette période hivernale. Donc voilà, pour remédier à cela, je vous propose quelques exercices à faire à la maison, très simplement, sans matériel, juste des chaussures adaptées à la situation, une bouteille d'eau, vous mettez en route la vidéo, et puis c'est parti mon kiki. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie. Je suis professeure diplômée et je vous donne donc rendez-vous tous les mardis à 18h sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker, il y a plein d'idées d'entraînement aussi. Et puis du lifestyle, je vous partage un petit peu ma vie de maman, ma vie de femme, et etc., etc. Donc n'hésitez pas, suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se lève, on prend place et let's go, les cuisses on fire. On y va? Allez, je t'emmène avec moi. On est dans ma cuisine. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Hein. On ne va pas non plus faire de grands mouvements. On va juste rester sur place pratiquement, bouger un petit peu ses jambes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez peu d'espace chez vous, vous pouvez quand même faire cet entraînement. OK? On va démarrer sur un petit échauffement, histoire de ne pas se claquer un muscle. Donc, on fait des petits mouvements comme ça, très simples, des petits pas de côté qu'on appelle le step touch. OK, on en fait quelques-uns. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Et puis, si vous ne l'êtes pas, après cette vidéo, je vous assure que vous irez beaucoup mieux physiquement et aussi moralement. On va placer les talons sur les fesses pour chauffer justement les cuisses qui vont travailler. Les adducteurs aussi, les ischios, les fessiers, les abducteurs. On a plein de muscles hein, au niveau des jambes, les mollets. Allez-y, des petits talons-fesses et puis aussi des petits montées de genoux comme ça, vers la poitrine. On peut ralentir hein, si je vais trop vite. Le but, c'est pas de le faire en même temps, c'est juste que vous ayez les exercices comme ça en tête pour pouvoir les faire à votre rythme. Il y en a qui vont manquer peut-être un petit peu d'équilibre. Donc, n'hésitez pas, ralentissez. Prenez le temps de poser le pied. Et ensuite, on fait des petits step out. Donc, c'est pointer le pied au sol et faire un petit transfert de poids de corps à droite et à gauche. Ce qu'on va juste ajouter ici, c'est une flexion de jambes au milieu. D'accord? Donc, descendez les fesses et remontez. Descendez les fesses et remontez. On va juste pousser la jambe un petit peu vers l'arrière pour réchauffer aussi la taille. Voilà. Comme si on partait en capoeira, tu vois un peu. Voilà, très bien. Et ensuite, on garde les pieds statiques au sol, pointe de pied à l'extérieur et on fait des petites flexions. On est toujours en échauffement, donc allez-y mollo. Hein. Des petites flexions. Voilà, plus ou moins basse, selon l'ouverture, la souplesse que vous avez au niveau des hanches, au niveau des adducteurs. Très bien. Des fois, ça craque un petit peu au niveau des genoux. Donc là, on le fait en ouverture. Donc, on va plus être dans le travail au niveau des fessiers. On a besoin de tout travailler de toute façon. On renforce les jambes, d'accord? C'est le principe de cette séance, renforcer les jambes. J'ai parlé des cuisses au début, mais on va renforcer les jambes, OK? On resserre les pieds, hop, largeur des épaules et on descend en squat. Donc, on pousse les fesses vers l'arrière. L'objectif pour être bien placé, c'est de miser sur la flexion de jambes plus que la flexion du buste, d'accord? Pas trop de flexion de buste, on garde les épaules hautes, c'est plus les fesses qui vont vers l'arrière. Imagine que tu as un petit tabouret et tu dois t'asseoir dessus. Donc on descend, on n'hésite pas, on descend. Et moins, continuez, moins vous allez être souple des hanches, plus vous aurez difficulté à aller bas. Mais ce n'est pas grave pour l'instant, on s'en fiche. On ralentit, d'accord? On ralentit. Prenez conscience de votre souffle. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est lent? Est-ce que je transpire déjà? Est-ce que j'ai mal aux jambes? OK, super. On reste en statique en bas. On maintient la posture. Lève un peu plus haut le regard. Super. Très bien. Et on revient. Marchez sur place.
dégourdissez un petit peu les jambes. Respire. Bien. N'hésite pas à étirer un petit peu les cuisses. Donc, si tu as un mur à tes côtés, n'hésite pas à t'en servir. Étirement de la cuisse, très important. Les genoux se resserrent. Je tire légèrement mon genou vers l'arrière, ma hanche vers l'avant. Pardon, sans cambrer le dos. À droite et à gauche. Ok, l'échauffement est terminé. Vous buvez si vous avez soif. Et là, on est parti pour le travail des membres inférieurs. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as le temps. Voilà, si tu n'as pas le temps, bah prends-le. Ça fait toujours plaisir, j'ai envie de te dire. Et on est parti pour le premier exercice. Le premier exercice, ça va être des dégagés. On va faire des petits dégagés sur le côté. Le principe pour travailler les cuisses, c'est de fléchir au départ tes deux jambes. Donc, tu es bien en flexion sur tes deux jambes. Tu dégages une fois la jambe droite et une fois la jambe gauche. Les fesses, elles sont à une certaine hauteur et elles ne bougent plus. D'accord ? Ensuite, tu dégages pied droit à droite, pied gauche à gauche. Ne remonte pas, hein, reste bien en bas. Et on y va. Allez, droite et gauche. À son rythme, tranquillement. Voilà, super. Et on en fait 12 000. Wouh, on va s'éclater. On va en faire quelques répétitions. Et ensuite, on va se concentrer sur le côté droit. Donc, on reste en appui sur la jambe gauche. Il n'y a vraiment que le côté droit qui, voilà, qui bouge. Jambe droite qui bouge vers la droite. Attention, mon poids de corps, mon corps en entier reste sur la même ligne. Il n'y a pas ça. OK ? Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Que cette jambe droite. OK. Et donc, tout le poids de ton corps va rester sur la jambe gauche. Et c'est là que ça commence à travailler. N'est-ce pas ? Dans la cuisse, dans le fessier, dans l'ischio, un petit peu partout. Très bien. Maintenant, la jambe droite, au lieu de la dégager sur le côté, tu vas la dégager vers l'arrière. OK ? Donc, toujours en appui sur la jambe gauche, mon pied droit part à l'arrière et revient vers l'avant. On en fait une trentaine, on a 20, 19. OK, super. Tu les compteras mieux hein, la prochaine fois. Moi, je t'avoue que je n'ai absolument pas compté. On ralentit l'exercice. On va aller un petit peu plus lent derrière et devant. Derrière et devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en fait encore 2, 9 et 10. On garde la jambe en arrière. On ne bouge plus. On fléchit bien la jambe devant. On descend un tout petit peu plus bas. C'est comme si on faisait une fente haute. D'accord ? Restez. Et fléchissez maintenant la jambe arrière. Donc, tu as deux angles droits. Une sur la jambe avant, une sur la jambe arrière. Redresse le haut du corps. Tire les épaules en arrière et descend un tout petit peu plus bas. Et là, on sent bien un peu plus dans la fesse que dans la cuisse. D'accord ? On se redresse, les deux jambes tendues et on resserre. On marche de la jambe gauche. On décontracte son fessier et on reprend sur des tapes côté, gauche et droite. Gauche et droite. Souris, hein, ça va bien se passer. Je suis là pour te faire du bien, même si ça fait mal. C'est pour ton bien. Faut que tu sais absolument ce qu'il faut te dire, sinon ça va être très pénible. Et on dégage sur la gauche, gauche, gauche. Voilà, on peut bouger les bras, sinon on a l'air un peu bête comme ça. C'est un peu trop timide. OK, et attention, c'est pas ça. On reste sur une même ligne et que la jambe qui dégage. Voilà, super. Encore. Côté. Loin sur le côté. Et fléchis. N'hésite pas à fléchir ta jambe droite. OK, encore. Tiens bon. Allez. Super. La jambe de côté va passer à l'arrière. Donc, on dégage à l'arrière. Voilà, toujours les bras en mouvement. Ça te permet aussi de brûler un petit peu plus de calories, le fait de bouger les jambes et les bras en même temps. OK, encore. Descends, descends. Voilà, super. Résiste. Oui, ça fait mal, ça brûle. Et on ralentit ? OK, on ralentit. Derrière, devant. Derrière, devant. Super. Derrière, devant. Ne reviens pas sur jambes tendues. On reste bien plié. On continue à travailler sur les jambes. Allez, il faut que ça brûle. Hop, encore. Derrière. Devant, encore. Hop,
Continue. C'est super. Parfait. Encore deux. Et on garde la jambe en arrière. Gardez en arrière. Fléchissez un petit peu plus devant. Descendez. Ah, ça chauffe. On fléchit la jambe derrière. On redresse un tout petit peu plus le buste. Les épaules tirées vers l'arrière. Poids du corps dans le talon de la jambe avant pour bien travailler sur le fessier. Descend, descend, descend. Super. On remonte les deux jambes tendues et on revient devant. Vous marchez sur place. Vous pouvez kicker un petit peu devant. C'est cool, hein? On sent bien les jambes travailler, ça fait vraiment plaisir. Et on va revenir sur le squat. Squat, largeur des épaules, voire un tout petit peu plus large que les épaules. Si vous manquez de souplesse, vous sentez que les fesses, elles ne descendent pas beaucoup, ouvrez. Ouvrez, mais gardez les pieds parallèles. Les pointes de pied dans cette direction. Pas en ouverture, sinon on n'est plus trop sur les cuisses. Ok? Ça va? Je ne vous ai pas perdu, vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là, public en délire? Oui, 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 oui. Julien Lepers, j'aime beaucoup cette imitation. On y va, on descend, donc on pousse les fesses vers l'arrière et on remonte. On y va tranquille, on en fait 3, 2, 1 et on remonte. Encore, 3, 2, 1 et on remonte. Tu vois comme le bassin peut descendre vers la terre. On travaille un petit peu sur la souplesse aussi, on en manque beaucoup. Allez, encore. Et 3, 2, 1 et on redresse encore. Pense à ton souffle. Descends, inspire. Monte et souffle encore. 1, 2. Mais si avec ta respiration, naturellement, tu fais l'inverse, ne te prends pas la tête. Hein. À partir du moment où tu respires, ça fait vraiment plaisir. Allez, encore. 3, 2, 1. On change de rythme. On descend 1 et on remonte. 3, 2, 1. Encore. Descends, reste. Et monte encore, descend. 1, reste, monte, monte, descend. 1, reste, monte, monte encore, descend. Reste, monte, dernière fois. Descend, reste. Et on y va en tempo, single. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Il n'y a pas de musique, mais on fait comme si. Si tu as mis du son chez toi, ben, suis le tempo. Ok, encore, descend, remonte, descend. Remonte, hop, tac, super, encore, 3, 2, 1, et en bas, petit, petit, petit. Ok, si ça fait mal aux genoux, on remonte d'un cran, on remonte d'un niveau, mais c'est surtout pas ça, ok, et c'est surtout pas ça, c'est pas les genoux et le bassin qui bougent, hein. Ok, les fesses vers l'arrière, et reste en bas et tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus, je te regarde. Tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus. Très bien, restez, restez, restez. On est en bas, on reste. Lève le regard. Ne fais pas ça, ne ferme pas. Ouvre, donne, ouvre. Encore, descends, 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 descends. Est-ce qu'on peut descendre comme ça? Est-ce qu'on peut remonter comme ça? Est-ce qu'on peut être là comme ça? Est-ce qu'on peut être là? Est-ce qu'on peut être là? Donc forcément, quand je suis là, mes hanches, mes genoux, ils s'ouvrent. Hop, hop, tac, plus bas. Garde les bras devant, remonte, en haut. Encore une fois, descends, remonte, en haut, super. Relâchez, marchez, bien. Les exercices de base, tu les connais. Pour travailler les cuisses, il y a les squats. Ça, les squats, c'est un mouvement que l'on fait tout le temps, très souvent en tout cas. Squat, très bon pour renforcer les cuisses, les tendons qui sont autour des articulations, pour renforcer les fessiers, enfin bref. Et ensuite, vous avez les fentes. Les fentes, il faut faire très très attention à la technique pendant les fentes. Je vous montre. Pour faire une belle fente, on va démarrer de face, comme ça. Je me recule un petit peu, comme ça tu vois mes pieds. Souvent, vous placez, je te montre ce que vous faites, très souvent. C'est peut-être pas ton cas, mais en tout cas... Moi, je l'ai déjà vu plein de fois. Quand on vous demande de dégager la jambe en arrière, vous dégagez la jambe en arrière, mais vous mettez la jambe sur la même ligne que le pied avant. Du coup, quand vous descendez pour l'équilibre, ce n'est pas terrible. Gardez la largeur de votre bassin, dégagez la jambe en arrière. Donc, vous voyez, pardon, vos pieds, ils sont toujours écartés. Il y a de l'espace, il y a un couloir entre vos deux pieds. Okay? Ensuite, on va descendre le genou au ras du sol.
Voilà, en gardant toujours cette longueur au niveau de la colonne vertébrale. Je ne penche pas en avant, mes deux jambes se plient. Ok? Ce sera la même chose de l'autre côté. On garde les pieds bien écartés, dans la même trajectoire, dans la même direction, et on descend. Ok? On va en faire 20 à droite et 20 à gauche, à votre rythme, mais gardez bien un point fixe et descendez au plus bas. Ton genou, il doit quasiment toucher le sol à chaque fois. Le genou arrière. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est beaucoup mieux. Donc, je dégage ma jambe droite en arrière. Je peux me tenir à un mur si je manque d'équilibre, hein, ou prendre un bâton, un balai, je ne sais pas. Ok? On descend. Genou arrière vers le sol. Et on remonte. Deux. Donc, le talon arrière, il est toujours décollé. Le genou avant, toujours au-dessus de la cheville. Allez, compte-les. 5, je regarde. 6, attention, le genou avant, il a tendance à partir trop en avant. 8, continue. Redresse, ouvre la poitrine, tire les épaules vers l'arrière. Ne ferme pas ton thorax. Ça t'aide pour respirer. Allez, on en a fait 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16. Et souvent, des fois, vous faites ça. Au bout d'un moment, la jambe arrière, elle ne plie plus. On fait à l'avant, comme ça, elle fait genre. Ok. Et on relâche. Ah, on peut choisir aussi, après qu'on ait terminé les 20 répétitions, de rester quelques secondes en bas. Ça peut être possible. C'est vous qui voyez. C'est votre entraînement. On y va de l'autre côté pour 20 répétitions. Let's go. 1, 2, 3. Décollez le talon arrière. Voilà, super. Attention, non, pas en avant. Hop, je tire mon corps. Ma colonne, elle s'allonge. Le genou arrière vers le sol. Le genou avant au-dessus de ma cheville. Allez, on reprend à chaque fois. Toutes les consignes, c'est important. Pensez à tout ça, à tout ça. Genou arrière au ras du sol, genou avant au-dessus de la cheville, le buste bien redressé, l'allongement de la colonne vertébrale, mon centre bien engagé, ma respiration présente. Allez-y encore, vous terminez les 20 répétitions à votre rythme, on continue. Allez, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Hop, on va dire que pour moi, il m'en reste 4. Je ne sais pas où vous êtes. Allez, faites sérieusement vos répétitions de 1. Soit je reste en bas, soit je remonte, c'est vous qui voyez. 30 secondes, 15 secondes. Et ensuite, on redresse. Bien, secouez vos jambes, récupérez. Si j'ai besoin de m'étirer maintenant, je m'étire maintenant. Paf, paf, paf. Genou droit, genou gauche. Yes. Et récupérez. Très bien. Secoue un petit peu tes jambes, c'est parfait. Donc là, on était sur une rythmique un peu plus cool pour être vraiment dans le renforcement musculaire profond. Plus vous allez ralentir, plus les fibres les plus profondes vont travailler. Si vous accélérez le rythme, votre amplitude sera réduite et vous allez travailler donc les fibres superficielles. Ce qui est intéressant quand vous accélérez le rythme, c'est que le cœur augmente en pulsation. Donc vous allez travailler un petit peu plus sur ces fibres-là, ces fibres rapides. Donc, vous allez brûler aussi un peu plus de gras. Mais c'est bien d'alterner les deux. Ne faites pas que du rythme rapide. De temps en temps, choquez un petit peu, ralentissez, exploitez votre souplesse articulaire pour aller chercher plus loin dans la musculature. Ok ? Donc, on va se faire juste une petite série de squats sautés pour terminer la session. Et je pense que pour aujourd'hui, on aura déjà bien travaillé sur les jambes. Donc, squat sauté, plus ou moins écarté, les pieds, on pousse les fesses vers l'arrière et on saute. Attention, la réception, c'est pas ça, c'est je saute et tout de suite, hop, j'amortis en flexion de jambes. Très souvent, vous descendez, le saut, il est bien et après, hop, un bon coup de jus dans la colonne et après, vous reprenez. Hop, vous stoppez ici et après, vous descendez. Non, c'est fluide tout de suite. Ok ? Je les compte. Je vous regarde un peu. 20 squats sautés, une série pour commencer. On y va ? 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3,
4. Et pour ceux qui ne veulent pas sauter, continuez. Pour ceux qui ne veulent pas sauter, vous recommencez une série sans saut. Ça me va très bien. Chacun son rythme, chacun ses envies, chacun ses possibilités. On termine l'entraînement ensemble. On va jusqu'au bout. Allez, on saute très haut. On amortit. On descend très bas. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Donc, une fois que vous avez terminé votre série, vous êtes très essoufflé, normalement. Ou alors vous êtes très bon sportif, vous êtes entraîné, hyper entraîné, ça fait très plaisir. Dernière série, on a fait des fentes, d'accord, en statique, une jambe à la fois. Là, on alterne sur des sauts. Je ne peux pas faire les sauts, je pars en arrière, en fente alternée. Pareil, j'en veux 20, une série. Et on n'en parle plus. Are you ready? Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, et on descend. Je ne peux pas sauter, je pars en arrière, je reviens. Je pars en arrière, je reviens. Continue, continue. Hop, on alterne. Pose le pied, talon arrière décollé. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. 1, et on relâche. Récupérez. Marchez un petit peu, prenez le temps. Respirez profondément, calmez le souffle. Et on peut calmer le souffle très rapidement, prenant des grandes inspirations, des longues expirations. Si vous avez besoin de nouveau d'étirer vos quadriceps, ici, talons-fesses. Et on va aussi chercher à étirer le psoas. Donc, vous placez la jambe en arrière. Vous fléchissez la jambe arrière, vous basculez le bassin vers l'avant. Fléchissez un peu la jambe devant aussi. Poussez le bassin, le pubis vers l'avant. À droite et à gauche. Voilà, petit étirement. Les mollets, si besoin, vous placez le talon vers le sol et deux pieds dans la même direction. Voilà, il y a plein d'étirements à faire qui sont intéressants. N'hésitez pas à aller voir une petite séance de stretching ou de yoga après ça. Faire aussi une petite méditation si vous avez du mal à dormir. Ça peut être aussi une option. Voilà, il y a vraiment plein de vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas, scrollez sur la bibliothèque de vidéos. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir, mardi 18h. Notez dans votre agenda le petit rendez-vous avec Aurélie. On fera vraiment plein d'activités diverses et variées. C'est ce dont vous avez besoin de temps en temps, de varier, de changer un petit peu vos habitudes, d'aller dans des endroits où vous ne pensez pas être capable d'aller. On se dit non, mais le yoga, je ne suis pas souple, je ne vais pas en faire. Et vous allez voir que de venir régulièrement, ça va vous permettre aussi dans votre quotidien de vous sentir mieux, de monter les escaliers avec plus de facilité, d'aller dans vos armoires avec plus de facilité, de dormir avec plus d'aisance, en étant beaucoup mieux, moins fatigué en se réveillant. Enfin voilà, soyez réguliers, c'est le secret, faites ce qui vous fait plaisir, suivez des gens qui vous inspirent. Et si ce n'est pas moi, allez voir quelqu'un d'autre qui vous donnera cette petite étincelle dans les yeux. Il y a plein de gens qui sont compétents sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir Jonathan Jovert qui fait de la musculation, Jessica et Alexandre Mallier de la chaîne Move Your Fit qui sont vraiment des gens hyper motivants. Je travaille avec eux, donc je peux bien en parler. Et puis, allez voir dans la description de la vidéo. Abonnez-vous. Allez voir tout ce que je peux vous proposer pour vous aider. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine à 18h. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.